Tu vois ici, là, un des problèmes, c'est pour ça qu'il faut que tu viennes sur le terrain, c'est que techniquement, l'arpenteur, il est supposé avoir flagué le milieu du chemin. Puis comme il flague le milieu du chemin avec la carte GPS, qui est aussi comme connectée à des machines, tu peux enligner ta broyeuse, puis tout ce qu'on a, tu es en ligne directement sur le milieu, puis tu sais exactement combien de mètres de chaque barre qu'il faut que tu ailles, parce que tu as ton arpentage sur ta carte. Là, on arrive ici, il y a une borne qui est là. Regarde la carte GPS, ça semble qu'il y a une erreur, parce que qu'est-ce qui a été flagué par là-bas? C'est la ligne de l'eau. Donc là, il semble y avoir un problème parce que le chemin n'est pas flagué au centre comme il est supposé. Puis ça cause un problème parce que la façon dont la machine elle fonctionne, il faut que la ligne soit vraiment au centre de la machine. Donc, c'est important de venir voir ce temps, t'assurer que ce soit fait. Dans le fond, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est estimer, dans le fond, la quantité de travail que ça prend. Puis il y a différentes sections avec différentes topologies. On a des cartes topographiques avec des courbes de niveau. On sait qu'il y a une section plus difficile par là-bas, on sait qu'il y a du plus facile, donc on veut juste bien planifier le travail. Il faut venir voir sur le terrain, on sait broyeur forestier, à quelle vitesse il va avancer, on sait l'excavation, comment ça va aller, est-ce qu'il y a des petites souches, des petits sols. Broyeur forestier, moi je sais quel type d'arbre il est capable de couper sans forcer, qu'est-ce qui va être plus gros, qu'est-ce qui va demander de l'émondage, des choses comme ça. Fait qu'on vient sur le terrain pour le voir puis de mieux estimer la suite des choses. C'est avec l'expertise aussi. Je vais vraiment puiser dans mon expertise d'ingénieur de combat, dans ce genre de choses-là, pour savoir exactement comment ouvrir ça. Quand tu es dans les forces canadiennes, comme ingénieur de combat, c'est ce que tu fais. Tu ouvres des chemins pour que tes troupes puissent passer. Tu établis des camps de base en forêt. Fait que tu es vraiment très, très forestier d'une certaine façon dans ce que tu fais. Donc, on vient leverager cette expertise-là ici aujourd'hui. Tu vois à quel point, si moindrement là, dans un Gantt, il y a un acteur qui ne fait pas sa job correctement, à quel point ça retarde tout parce qu'on est sur plein de choses. Là, c'était mon moment aujourd'hui pour calculer exactement qu'est-ce que ça allait me coûter en termes de demeure, plus d'équipement de machine, qu'est-ce que j'avais besoin, quand, comment, puis de planifier correctement pour la prochaine fois. Parce que la prochaine fois qu'on revient, on doit commencer les travaux. Puis là, comme c'est pas bien fait, ça ne permet pas de l'estimer exactement. Donc, là, en ce moment, déjà, juste avec ça, tout dépend où ce que tu passes. Il va y avoir une différence de 3 ou peut-être 4 jours de travail. T'sais. Puis ensuite, bien, tous les autres intervenants ils sont comme tous dans ça. Fait qu'il faut bien planifier ça, il faut savoir exactement. Puis là, ça s'est pas bien flagué. Là, donc, il va falloir revenir encore. Ça cause d'autres délais. Pire, si je n'étais pas venu ici aujourd'hui, ben j'aurais pas su que ce job-là était mal fait. L'autre fois d'après, quand je serais venu, peut-être que. Ça aurait été déjà le début des travaux. Ça aurait été facile de se dire c'est flagué, l'opérateur il commence, let's go. Puis là, finalement, il arrive ici et il ne comprend rien. Tu as déplacé un opérateur, tu as un gars de support, tu as un transport, tu as un paquet d'affaires. Tu as perdu ton temps pendant peut-être 1, 2, 3 journées. Tu sais, donc, ou tu n'as pas la bonne pelle parce que ça commence avec une 30 tonnes. Nous, on a notre 12, mais tu sais, est-ce que c'est le temps de. Où on a la 6.5? Tu sais, est-ce que la 6.5, la 6.5 elle veut faire le début? Donc, tu sais, faut, le broyeur forestier arrive quand? Là, ça prend quand? C'est quand ça prend les mondages exactement? Quand, comment? Tu sais, combien d'arbres faut enlever? Sur les mondages, c'est à l'arbre. J'ai combien d'arbres à enlever? Si je passe ici, il n'y en a aucun. Si le broyeur forestier va te découper. Si je passe juste à côté, juste ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça change le budget. C'est bien important de venir sur le terrain voir ça.